Bien bonsoir à toutes et à tous et à toutes, c'est Jérémy350 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Golden... Non. Pas Golden Jackie. Je sais, on n'en peut plus d'attendre. Je sais, ça me fait... vous le savez très bien. Ça fait presque un mois là. Ça fait déjà un mois, si ça fait déjà deux, ça va prendre plus de temps que Colette Gold. Et ça je comprends pas, faut augmenter le taux d'apparition des Golden. Augmentez le taux d'apparition des Golden. Ne mettez pas que des Silver si on a un possible. Si on peut avoir un Gold, augmentez le taux. Putain. Bon, on va pas planter. On va pas gueuler pour ça. Ça arrivera bien un jour. Normalement. En tout cas, si on est là aujourd'hui, c'est parce que bah, vous savez très bien que j'ai atteint le palier 30 et donc du coup, je peux enfin débloquer Eve, qui est encore le brawler. Le seul brawler qui peut flotter sur l'eau. Et le brawler qui rejoint mes dehors et puis tout. Donc, c'est le brawler qui peut flotter sur l'eau. Et sans plus tarder, on va la récupérer. Let's go. Et voilà, le petit screen des familles qui va bien pour le souvenir. On a une quête avec Eve. On a une quête en mode chasse ouverte. Eve va écouter. On fera tout là-dedans. Mais d'abord, on va tout lui donner. On va lui donner le point de pouvoir. Puisque... On va la monter. Hein ? Parce que... On vient monter un brawler dès qu'on l'obtient. Au minimum, au pouvoir 7 pour avoir son gadget. Surtout qu'en parlant des gadgets, il y a encore les nouveaux gadgets. Hein, genre, il y a eu les nouveaux second gadgets. Genre, le second gadget de Fang, le second gadget de... Lola, etc. De gros hommes aussi qui sont arrivés. Il y en a certains que j'ai obtenu, du genre le second gadget de Colette, j'ai eu dans une boîte gratos. J'étais méga fier quand je l'ai eu dans une boîte gratos. Méga fier, surtout que c'est Colette, hein, donc j'espère que vous avez compris hein, pourquoi je suis content quand c'est Colette, surtout. Preuve, hein, j'irai vous montrer. J'ai le second gadget de Colette. Hop. Voilà. Tac. On donne tous les points de pouvoir puisque il faut la monter et les derniers les 125 pour Eve parce que faut la monter. Voilà. La preuve, regardez, il est juste là. Une gadget de Colette. Voilà. Du coup, on va la monter au pouvoir. Son gadget, c'est déjà une bonne nouvelle. On a déjà le gadget de disponible. Ah oui, si vous avez pu remarquer, ça y est, j'ai enfin le bouton e-sport parce que ça y est, j'ai fait 15 sports au défi dernièrement. C'est excellent donc. Ah, désolé si vous ne l'avez pas débloqué, mais moi je l'ai débloqué. Donc, du coup, on va commencer par le pack opening. Hein. Donc, j'ai les nouveaux gadgets à débloquer, j'ai encore le Star Power et puis tout. On va commencer avec des squads. Vitesse en plus. Allez. Ouais. C'est pas terrible, mais bon, c'est les petites boîtes. Hein. Faut pas s'attendre à avoir des trucs de ouf dans les petites boîtes. Hein. Ouais, forcément. Tout ça, les petites boîtes. Bon, après, déjà, avec ce qui est bien avec les petites boîtes, c'est les mis en gold. Allez, les gros. Ouh, alors ça c'est bien puisque ça te donne des points de pouvoir sur n'importe quel brawler. Bah, de toute façon, le truc, de toute façon. Eve, les gars, de toute façon. Faut la monter. C'est bien. Voilà, hop, on a encore ça. Bah, du coup, on donne ça à Eve directement puisque. Qu'on monte. Normalement, il y a généralement que ça, à part que ça. Je suis déçu, hein. Pas un seul gadget qui apporte. Qu'est-ce que c'est que ce pack opening? Il n'y a quasiment aucun gadget. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce pack opening? Aucun gadget, bon, en fait, j'ai pas ouvert une méga boîte. Mais bon, c'est quand même. Il y a aucun gadget.
gadget là à obtenir là. Dis donc, les robots, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il faut bien mettre des boîtes. Ah, bah, déjà un 8, c'est mieux. Ah bah, c'est nombre île de Tara. J'aurais préféré un gadget, hein, je vais vous avouer, parce que j'ai déjà l'autre Star Power. Même s'il est bien, hein, je vais pas vous en plaindre, il est bien. Mais j'ai déjà un Star Power de Tara, j'ai déjà l'autre. Donc, je suis pas quelqu'un qui kiffe Tara, donc je suis désolé ceux qui kiffent Tara, mais ça marche pas avec moi. Mode Eve, là, je vais vous... Ah bah tiens, oh, en plus Eve, ça c'est magnifique, magnifique. Je, on va la jouer, on va tester son gadget. Très bien. Oh, un 9, un 9. Alors, le chiffre 9, pas un 9, un 9, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, gadget de Bibi et gadget de Squeak. Bon, ils sont pas si terribles que ça. Le gadget de Bibi, je sais pas. Le gadget de Squeak, je suis pas terrible du tout. Peut-être. Et ouais, gadget de Byron. Il me manque le gadget de Lola, gadget de Grom et gadget de Fang, si je dis pas de bêtises. Normalement, non. Alors, qui il me manque en gadget? Alors, Bibi. G. Grom, j'ai pas. Lola, bon. Pas Lola. Tara, j'ai son second Star Power. Il est bien, mais bon, je n'aime pas Tara, les gars, vous savez bien. Ça peut être pas mal, donc ça je vais le garder. Pour Squeak, je vais quand même mettre ça, ça peut être pas mal. Après, il y a quoi que. Il y a. Il y a du coup Eve avec son gadget, ce qui fait plaisir, ce qui est pas mal. Et bah, du coup, on va jouer Eve, bah, pas sur les maps de braquage, mais on va jouer Eve en chasse ouverte. Donc, les gars, bah, j'espère que vous êtes prêts, on va jouer Eve en chasse ouverte, on va faire quelques petites games. Let's go. Alors, je n'ai que PV7, mais c'est pas grave, on est courant 1. Voilà, donc on joue Eve, donc c'est un sharpshooter. Du coup, à peu près une range équivalente. Oh, Mario, fly ! Hop, son super, ça a fait spawner ses enfants en gros. First take down, merci mon soeur. Donc ça fait spawner ses enfants et ça empoisonne les ennemis. Son gadget, c'est équivalent au premier gadget de Brock. Juste que c'est ça laisse ses enfants un de ses enfants derrière un spawn un de ses enfants derrière. Voilà, bon, ça va être un peu chaud. Voilà, putain, de kill, pardon. Et voilà, victoire. Bon, je suis désolé avec l'annonceur qui crie beaucoup, mais en même temps c'est l'annonceur, mais quand même. Hop. On refait. Pour refaire, on va faire encore 2-3 games et après on va arrêter. On va arrêter la vidéo. Ah, malheureusement, il n'y a pas d'eau, donc je peux pas vous montrer comment on fonctionne sur l'eau. Mais dites-vous que quand Eve peut flotter sur l'eau, donc pour elle, l'eau c'est juste sol en même temps. Pour moi, c'est du bon. Ouais. Je suis seul mort de la team, mais c'est pas grave. Et voilà, une nouvelle victoire. Du coup, on continue. Let's go. Voilà. Encore deux games avec elle et après on va. De toute façon, c'est que des bots.
Ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme tout le monde, je la toucherai au minimum au rang 3. Comme tout le monde. Hop, c'est vrai, c'est nul. Tac. Et voilà. Une nouvelle élimination. Ouais, il n'y a pas grand monde en ligne. Tac, on refait une petite dernière et je vais arrêter la vidéo là. Même si c'est que des bots, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, hein. Enfin, je sais pas si mes alliés sont vraiment des bots, mais bon. De toute façon, je dis que même avec des bots, ça que au début c'est super simple, hein. C'est juste chiant parce que tu as la flemme de tout. Oh bah c'était rapide hein. Dommage que je suis mort. Mais c'est pas rapide. Et voilà. Du coup, c'est bien, on va arrêter la vidéo là, hein. On va arrêter la vidéo là, donc j'espère que ça vous a plu. Donc on a quand même eu le gadget de Eve. De toute façon, après je vais continuer, hein. Je vais continuer le pass de mon côté, hein. Je vais être Eve, je vais tenir, hein. Et j'ai encore un peu de boîtes, je vais ouvrir, pareil, tout ça, je vais améliorer. De toute façon, Eve, je vais l'améliorer. La prochaine vidéo Brawl Stars, on sait pas, ça sera soit sur Dr. Edgar quand l'offre va apparaître, en gemme, hein, parce que, ok, je sais, j'aurais pu l'acheter en argent réel, Dr. Edgar, mais j'ai quand même beaucoup de gemmes. Donc, pourquoi l'acheter en argent réel si franchement, les skins, on les achète de base avec les gemmes. Donc, j'aurais bien voulu, mais faut quand même que je dépense mes gemmes. Parce que la preuve, là, par ailleurs, fun fact, j'ai acheté BA Super Méchant. Parce qu'il faut tous les Super Saiyan mecs. Et en parlant de Super Saiyan mecs, d'ailleurs, ils ont annoncé un Super Saiyan mec pour Ems. Pour Ems, tiens, voilà, juste là. Communauté, ils ont annoncé ça pour Ems. Ça. Pour Ems, si vous voulez, c'était pour Ems dans le thème de la Popstar. Oui, donc je vais acheter, hein, je vais acheter. Hein. Tout comme Zombibi, parce que Zombibi, je l'ai pas et c'est le seul Super Saiyan mec qui me manque. À l'heure actuelle, il n'est pas Zombibi, mais c'est le seul qui me manque à l'heure actuelle. Après, il y aura Ems. Le nouveau Ems, je ne sais pas qui c'est qui va gagner, on verra. Qui va sortir. J'espère que ça peut être. Ça peut être Fontis ou. Parce que je crois que Fontis et Incastle le font. Francis, je sais pas, je crois, mais bon. De toute façon, il travaille déjà pour Super Saiyan. Bon, vu qu'il s'est pris avec Colette, vu ce qu'il s'est pris la dernière fois, ça va être compliqué. Mais bon, on va être pas là pour parler de ça, les gars. On va faire l'outro. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais push F tranquillement. Je vais faire mes quêtes. Et je vous dis merci d'avoir regardé. Donc, à demain pour la seconde partie de mon quart tour. Enfin, la vidéo d'après sera son partie de mon quart tour et puis voilà. Demi-carte tour, je vais dire. Bon, allez, en tout cas les gars, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour une prochaine. Salut !